Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis accompagné de Loïc. Et salut! Alors on est de retour sur Terraria, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'épisode. Ouais. Mais bon, comme on a dit, on a à peu près fait le tour, c'est pour ça qu'on n'en fait plus tant que ça. C'est sûr. C'est pour ça que... Comment dire? La dernière Si vous fois... voulez, vous pouvez nous poser des défis hein, sur le jeu, comme ça on en ferait un peu plus des vidéos. Ouais, c'est sûr. Je sais pas, genre tu as un boss avec une pioche ou un truc comme ça. Ouais, ça va être chaud. Voilà, donc voilà, si vous voulez, donnez-nous des défis, comme ça on fera un peu plus d'épisodes. Ouais. C'est vrai, vu qu'on a à peu près fait le tour, on sait plus trop quoi faire. Ouais, sûr. Donc là, comme vous pouvez voir, les pièges, on vous a un peu changé, on a mis des lance-flammes à la place. Donc ça fait un peu plus mal que les pièges à flèches. On a aussi un bâton de corbeau. Ah oui. Donc c'est un peu pareil que le bâton de Pimé, sauf que c'est un corbeau et il fait un peu plus de dégâts. Et je crois qu'il est un peu plus rapide pour attaquer aussi. Après, je crois que c'est tout, hein. Ouais, je crois, Ah, j'ai mon costume de vampire. Là, je l'ai eu dans des cadeaux de trucs d'Halloween, là. Je sais pas s'il y en a encore, par exemple, ça. J'en étais quand même pas mal, j'en ai pas eu une seule. je crois que là c'est fini la mise à jour. Du coup, bah, j'ai eu ça, bah, c'était cool. Moi, je l'ai gardé, du coup, vu qu'il était bien. Ah, il est bien, quoi. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va sûrement faire la lune de glace parce que c'est la seule qu'on n'a pas fait en vidéo pour l'instant. Ouais. Et puis voilà, donc là c'est le jour, donc on va attendre la nuit du coup. Donc en attendant, on voulait vous faire part de quelque chose en fait. On avait eu l'idée à Kane de faire deux serveurs, un sur Minecraft et un sur Terraria. Donc dites tout ce que vous en pensez et on va essayer de faire ça avec vous. Ouais. En fait, c'est un serveur où vous pourrez jouer avec nous en fait. Vous pourrez construire votre propre maison et tout. Faire vos propres constructions. Ouais. Voilà, c'est vraiment deux serveurs vraiment uniquement pour les abonnés et voilà. Ah, vu que la dernière fois on a joué avec des abonnés sur le jeu, c'était bien sympa. Ouais. Du coup, bah voilà, quand on a envie de vous faire des serveurs, comme ça vous pouvez battre votre boss pendant que d'autres ils font des minages, ou enfin des trucs comme ça. Ou même s'entraider pour trouver des minages ou pour battre les boss si vous avez du mal, etc. etc. Ça serait bien sympa, je pense. Mais vu que malheureusement on peut pas accueillir beaucoup de joueurs. On peut pas accueillir combien de joueurs? 2, 4, 6, On 8 peut en joueurs. avoir 8 sur Terraria et 4 ou 5, je sais plus, sur Minecraft. Ouais. Alors, du coup, bah si vous voulez rejoindre notre nouveau serveur pour jouer avec nous, bah envoyez un petit commentaire et puis on vous acceptera avec plaisir, quoi, sur le serveur. Ouais, pour ceux qui veulent venir sur Terraria ou Minecraft sur le serveur, dites-le dans les commentaires. Ouais, mettez votre pseudo et puis sur quel serveur vous voulez jouer, Minecraft ou Terraria, comme ça, bah. Ou les deux, si vous voulez les deux. Ouais, voilà, tout simplement. Mais malheureusement, vu qu'on peut jouer que le week-end, et que là, bientôt, je vais partir en formation, c'est un peu compliqué. Et vu que Terraria, Ouais. on est obligé d'avoir l'autre, quoi. Enfin, Minecraft, je sais pas. Je sais pas si on peut donner la map. Je sais pas, j'ai pas essayé. Après, c'est. Ouais. Ouais, ça serait bien sympa de faire ça, quoi. Dites-nous dans les commentaires votre pseudo pour ceux qu'on n'a pas en ami, bien sûr. Ouais. Le jeu que vous voulez jouer avec nous. Ouais. Donc voilà, comme j'ai dit, on pourra pas accueillir tout le monde, malheureusement. Ouais. Donc ce qu'on avait, moi j'avais eu l'idée, c'est que en fait on fasse une tournante un peu en fait. Faites que vous venez chacun à votre tour en fait. Ouais. J'avais eu l'idée de faire ça parce que ouais, on est vraiment désolé, mais bon, c'est serveur PS3, on peut pas accueillir tout le monde, malheureusement, on n'est pas sur PC. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, on va faire une petite tournante, on prendra chacun de vous, chacun à votre tour. Comme ça, on verra vos maisons, comment elles sont avancées, et on prendra en particulier ceux qui sont pas bien avancés. Ouais. Par contre, ceux qui ont déjà un château, eux, Sûr. on les prendra un peu plus tard. Donc voilà, ceux qui ont pas leur maison très bien avancée, c'est eux qu'on accueillera en particulier. Sûr. Ce que je vais faire, c'est que dans les commentaires là, sur les profils là, vas-y, montre Kevin. Oui.
Donc là, Kevin, je crois qu'il a mis vidéo sur son commentaire là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le nombre de places qui restent sur le serveur. Ouais. Donc, par exemple, bah vas-y, montre. Donc, par exemple, tu mets il reste de place ou. Là, j'ai marqué tourne de vidéo. Donc, on met par exemple deux places, enfin, etc. etc. On marque comme ça, deux places. Donc, ça, vous savez qu'il reste par exemple deux places sur le serveur. Par contre, je sais pas si par exemple, pour ceux qui n'ont pas le micro, on fera un salon de chat. Ouais. Pour que ça soit mieux pour parler au lieu d'envoyer des messages, parce que des messages, des fois, c'est assez chiant. Donc, du coup, on fera un salon de chat pour ceux qui n'ont pas de micro, et du coup, ça sera plus facile pour parler, quoi. Ouais, puis tout le monde pourra voir ce que dit tout le monde, en fait. Ouais, voilà. Donc, voilà. Ouais, dites-nous dans les commentaires si ça vous plairait qu'on fasse ça et on essaiera de préparer ça. Ouais. Parce que nous, on aurait vraiment envie de jouer avec vous, mais voilà. Ouais, c'est sûr. Des fois, c'est pas toujours aussi simple. Des fois, on a des trucs à faire. Enfin, voilà quoi. Ouais, puis comme là, sur Terraria Minecraft, on sait plus trop quoi faire. Et bah, ça nous fera un peu d'occupation sur le jeu. Ouais, c'est sûr. C'est comme ça, moi, ça permet de parler aussi avec les abonnés, quoi. Ah, ça permettrait de jouer avec vous. Nous, on aimerait bien jouer aussi. Hein. Ouais, bah. C'est sympa, c'est mieux que d'être toujours à deux, quoi. Et en plus, vu que c'est une grande map, quand t'es tout seul, enfin quand t'es à deux sur une grande map comme ça, c'est pas évident. Donc là, il y aura plusieurs maisons un peu partout dans la map, ça serait bien. Ouais, ce sera deux gros serveurs, vous ferez votre propre construction. En fait, on veut qu'on ait une grande ville, en fait, une genre de grande ville, en fait. Ouais, voilà. Bah, on précise qu'on est sur PS3 aussi, parce que sinon, les gens... Ah, ouais. Si vous demandez sur Xbox, ça sera pas possible, hein. On est que sur PS3. Ouais, bref, on va faire une grande ville sur Minecraft, ça pourrait être sympa, ça, je pense. Ouais, bah ouais. Chacun fait ses propres constructions et tout. Ouais. Alors, pas pour les grosses constructions, genre, je sais pas... On peut, par exemple, faire un port avec un phare et tout... On s'entraînera tous pour le faire. Ouais, c'est sûr. Attends, j'ai des pièces, je mets dans le coffre. Je pense que ça pourrait être sympa. Mmh. Hop, on va mettre les pièces là. Donc là, on entend encore un peu, je sais pas s'il fait nuit, hein. Pas encore. Ça va être ça le gros problème, c'est le nombre de joueurs qu'on peut accueillir. Ouais, bah ouais, ça va être un peu... C'est vraiment ça le gros problème en fait. Bah, de toute façon, on verra bien. De toute façon, vu les demandes qu'il va avoir, on verra bien si. Bah, déjà, la dernière fois, on était combien? On était 4? 4 ou 5? Ouais. Donc après, il faut voir. Hein. Même s'il n'y a pas 8 joueurs en tout, c'est pas grave. Même si vous êtes par exemple, vous êtes 3 ou 4 à venir, voilà quoi, on peut commencer déjà le serveur quoi. Moi, ça sera pas tout de suite, hein, ça sera pas au bout d'une semaine. Hein. Il faut attendre à peu près un peu moins d'un mois, quoi. Parce que tant de préparer tout ça, de voir si les gens ils sont disponibles, etc., etc. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Non, ça sera comme on vous a dit, on sera plus actif le week-end que la semaine. Ouais, voilà. Week-end, que la semaine. Je sais pas, genre le samedi on joue à Minecraft et le dimanche on joue à Terraria. Ouais, voilà. Et là, vu que là, bientôt je vais partir en formation, donc ça va être un peu compliqué. Donc. La semaine, je rentre pas du tout chez moi, donc du coup, bah, il y aura que le week-end que je serai là. Donc c'est pour ça le week-end, bah. Ouais. Au pire, je mettrai un petit truc sur YouTube pour dire ouais que je vais jouer sur Terraria ou des trucs comme ça, quoi. Comme ça, vous allez sur YouTube, je vais mettre un petit sort de bulletin parce qu'on peut mettre des commentaires directement, comme ça vous voyez à peu près. Parce que là, c'est comme ça serait bien comme ça d'avoir des gens un peu. Ouais, puis ça ferait une bonne petite ville, je pense, si on s'entraide tous. Ouais, c'est sûr. Et encore des sites. Ouais, voir, c'est pas super terrible ce qu'on a fait, mais c'est juste une maison de PNJ et notre maison à nous, quoi, c'est tout. Ouais, ah, j'ai une bada de lapin. Parce que j'ai vu qu'il y avait un de nos abonnés, on avait joué avec lui, il avait fait des beaux trucs sur sa map. Ouais. Elle fait des belles décos et tout, c'était vraiment bien fait. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'était Shadow, donc je pense qu'il se reconnaîtra. Mmh. Moi, j'ai pas vu que j'avais un problème de connexion. Attends, je vais jeter dessus.
J'ai trop de trucs sur moi en fait. Donc voilà, donc là maintenant on va attendre la nuit. Ouais, dans pas longtemps. Toujours un problème dans ce jeu, c'est la nuit quoi. Faut toujours attendre pour battre les boss. Ce que je vais faire, c'est je vais voir si j'ai assez de trucs. Ah oui, il est toujours pas revenu, truc. Non. Pour regarder s'il y a le. Le cible bleu là. Je prépare des trucs. Je vais mettre des trucs dans mon machin. Parce que... Pourquoi j'ai une. J'ai deux fossiles alors, je sais pas pourquoi. Et j'ai deux six pioches. Je vais les vendre. Hop. Ah, j'ai un truc pour aller une citrouille là. Hop. Il me manque des trucs. Est-ce qu'on a de l'or dans les coffres? Je sais pas, je commence, ouais. En fait, je prépare des trucs pour des boss après. C'est qui le. C'est à moi. Là, qu'on voyait qu'il y a des lance-flammes. C'est une sorte de lance-flammes, quoi. Du coup, mais là, vu que c'est de moins chaud, ça fait. On voit pas trop la différence. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Je décube un peu d'or parce que j'en ai pas assez. Voilà, je pense que j'en ai assez là. J'ai des potions. Je les mets tous les fusils. J'ai ce problème avec les coffres. On va les mettre là. Enfin, j'ai acheté un revolver, mais j'ai pas de balles donc je peux pas voir ce qu'il y a de différence. On a des potions encore, pas besoin. Tac. Ah non, j'en ai même pas assez encore. Les clés, on va les garder, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a du rubis qui traîne, Kevin? Alors là, je n'ai aucune idée. Ah! Fermez ta torche. Oui. Et t'es où? Allez, là. Ah, il en manque une? Là. Là, de où? Là, au milieu, là. Côté du coffre, là. Ah, oh, c'est pas moi qui l'ai. Ouais. Je crois qu'il y en a dans les coffres qui traînent. Ah ouais. Où ça? Ah là, c'est le bordel, là. Dans un coffre à déco. Ah oui, là. Il n'y a même pas un petit rubis qui traîne. J'ai besoin d'un. Ah oh, merde! C'était où déjà? Je sais où. C'est dans quel coffre? Ah, c'est lui. Le bois, ok, les torches. En fait, je prépare un objet d'invocation en fait. Là. C'est quoi tous ces coffres là? Bon, c'est pas grave, j'irai chercher un peu de rubis après. Ah, bah, ouais. C'est bon, c'est le genre. Dans le nid. On fait ça là-bas ou si la... Bah, vas-y, on le fait là, comme ça, on va savoir un peu pour le piège comme il est. Donc, c'est parti pour la lune de glace. Ah, il y a. Ah non, j'ai rien dit. Voilà, c'est sûr que je peux beaucoup mourir. Tu sais, j'ai peut-être une technique pour la réussir facilement. Ouais. Ah ouais, c'est quoi? Ouais, faut faire ça. J'essaierai de faire ça, mais il me faut du temps pour le construire en fait. Ouais. Que je construise quelque chose. Okay. Que j'essaierai de faire ça et on essaiera de la recombattre. On va voir. On va se mettre là pour faire voir un peu comment ça fait le piège. C'est compliqué tout. Ah, c'est bientôt Noël dans un peu plus d'un mois. Ah, il y a un sympa tireur.
Voilà les dégâts que ça fait, c'est quand même pas mal de dégâts quand même. Non. Ah c'est moi, je crois que c'était moi qui est mort, bah je suis mort. Par contre faut quand vous. Avec eux, faut aïe. Se dépêcher de partir de la maison parce qu'il faut les sauver. Alors du coup, on part le plus vite. Que ce soit eux ou le Pernel là. Mais non. Par contre c'est chiant dans le jeu, c'est que quand tu reviens, quand t'es mort, après quand tu fais respawn, bah tu t'as pas beaucoup de vie en fait. Ça c'est un peu chiant. Je crois qu'il y a pas un sapin, je crois. Ah il y a pas un sapin. J'ai pas beaucoup de vie, c'est une merde. Donc il y a un boss à cette lune de glace, hein. Il y a... C'est la reine de glace, on a réussi à la percevoir deux fois avec les abonnés. Quand on avait fait une partie avec les abonnés, on avait réussi à la percevoir deux fois. Ouais, mais par contre, c'est mal. Et... chaque fois, on n'a jamais le temps de la tuer, parce que la nuit, elle va pas trop vite. Voilà, on va beaucoup mourir, mais bon, c'est vraiment des... ils sont vraiment trop trop forts, les... Ouais, encore plus que la lune citrouille. Du coup, bah voilà, c'est pas évident. En plus, c'est le Père Noël, en plus, c'est encore pire. Mais qui pose des mines par terre, et du coup, bah voilà. Non, on est pas envie, hein. Ah. Mais non, je suis mort comment? Ah, je suis mort avec les boules de Noël. De toute façon, quand j'aurai préparé mon petit système pour réussir plus facilement à la lune des glaces, on fera une vidéo pour que je vous montre. Là, regarde, on se fait vraiment dégager là. Les mobs ils sont trop forts là en cette lune des glaces. Ouais, y'a encore un crépin. Oh là, j'arrive même plus à sortir. J'arrive même plus à sortir. Ah, oh, je suis mort. Oh, bah là, c'est pas la peine. On va se faire spawn killer à chaque fois. Pourquoi j'étais boulé là? J'ai le truc. Tiens, meurs. Ah non! Pourquoi ouais. Noël il est là? On va se faire déglinguer. Lilith, ça sort, ça! Ben Noël, c'est le but qui fait trop mal, le plus mal quoi. Ouais. Il a tellement abusé. Oh non, genre il me touche. Oh genre. Je sais pas comment j'ai fait pour rien là. Ah non, j'ai frisé. Oh putain. Bon bah ouais. Je reviens. Oh bah je te laisse continuer. C'est bon, je l'ai tué. Ouch. Oh non, il a mis une mine juste à côté du lit quoi. Ah là, évidemment aujourd'hui c'est la journée du freeze. Ouais. Déjà 3 fois aujourd'hui, c'est chiant. Hein. Ah là là là. De toute façon, je vais préparer mon dispositif pour. Oh là là, je bug. Dispositif pour les tuer plus facilement. Ils font trop mal. Sous les Pères Noël, les plus. En plus, les Pères Noël, ils veulent aller dans le piège, mais ils sautent au-dessus. Quoi. Du coup, bah. Je tue dans le côté, c'est bizarre. Ça va trouver un créneau pour inviter. Oh. Faut trop mal. Oh putain, les mines qui arrivent à côté du lit. Ah non, je peux plus sortir là. Mais il y a mis au moins 3000. Merde, j'ai mis 5 trous. Il y a mis 3000. Ah non, il y a mis. Ah, je peux plus sortir là. Ah mais non, je sors, il me fait tuer. Oh. Il met des mines en fait et du coup bah il en a encore mis un. Il en a mis deux. Oh là 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 là, c'est mort. Merde pas plus. Ouais, il y a encore un truc qu'il faut faire, c'est remplir le monde de purification, ça faut vraiment qu'on s'attarde dessus. Franchement le monde de son client, c'est... Et tu verras la vidéo, tu vas me casser les avec tous les morts que ah, là, c'est abusé quoi. Je suis mort moi 50 fois d'affilée là. Meurs. Et meurs. Enfin.
T'es sur sexe invitation. Non, ah, j'ai bugué aussi. Rejoins, ah. J'ai bugué. Bon, bah, on revient. A tout de suite. Ah, bah, non, en fait. Ah, bah, alors. Voilà. Moi, j'avais bugué, mais pas du tout, pas du tout. Ah, aujourd'hui, je sais pas, mais j'ai la poire. Entre le coupure de cité et la poire qui frise. Je sais pas. Oh non, c'est pas fort, hein. Ça te pèse 3, oui, ça. Oui, encore un pur Noël. De toute façon, on va bientôt passer sur PS4. Dans un peu plus d'un mois, on va passer sur PS4. Avec Black Ops 3. Ça fait peu qu'on fera des vidéos. Que ce soit la campagne, zombie, multi. Comptez sur nous. Parce que là, on n'a pas encore Black Ops 3. On l'aura à la fin. Ah, j'avais trop de technique pour le battre au pur Noël. Je suis sur le toit, il me bouge pas. Il va faire le défoncer, ça. Comme je viens de dire, on passera sur Black Ops 3 ouais. À la fin de l'année. Pour l'instant, on n'est pas encore dessus. Non, mais toi, sur avec tous ces bugs qu'il y a. Voilà. Mets-toi sur le toit là-haut, parce que là, il peut pas me toucher tout à l'heure. Bah, c'est un peu le même genre que ça, mon concept, mais avec des pièges. Attends, il est où, des trucs là. Oh, je suis en. Non, malheureusement, si, on voulait faire des vidéos sur Radio Larsa, mais on peut plus du tout. Enfin, sur PS3, on peut plus. Enfin, on trouve aucune partie, quoi. Vas-y, viens. Je vais continuer, toi, à la recherche d'un bon joueur sur un match à mort, mais faut pas moins trouver une partie. Après, je vais continuer aussi les trucs avec mes colis, mais. Bah voilà, quoi. Dès qu'on peut plus trouver une partie, bah. C'est pas compliqué. Ouais, il y a ce beau... Oh, c'est mort! Vas-y, comment le permettre? Vas-y, meurs! Ah, il est mort! Allez, bout de Noël, bout de Noël! Allez! Ah, c'est fini! Oh, bah là, par contre, bonne chance pour une belle tour! Salut tous les deux! On va reprendre toutes les pièces! Salut, toutes les pièces qu'il y a eu, tous les cœurs qu'il y a eu dans le piège! Ça va donner toute ma vie! Ah d'accord, toute la maison elle est buggée, je vois plus rien de la maison. Ah c'est chiant ces bugs là. Si, y'a pas du tout, d'accord. Hop, c'est quoi là-haut? Ah non, j'ai enlevé la bannière, ça fait exprès. Regarde, la maison moi elle est buggée, moi je vois rien. Ah c'est à chaque fois, c'est quand je frise que ça fait ça. J'arrive à accéder au coffre ou pas? Hop. J'arrive même pas à accéder comme ça. Oui, y'a plus de tombe. Putain, c'est quoi toutes ces pièces d'argent que j'ai là? J'ai quelques coffres en bas. C'est chaud. Ok, bah je pense qu'on va cesser là. Je mets trucs. De toute façon, on va retourner une vidéo juste après. Là, faut que je prépare le truc avant. Ouais, donc n'oublie pas de lâcher vos commentaires pour par rapport à ce qu'on a dit. Et puis mettre un petit j'aime, ça fait plaisir. Et aussi l'année prochaine. Allez, bye les gens. Oh putain.